Bonsoir, l'échiquier international consacré à la situation à Gaza, une situation des plus désastreuses dont les répercussions se font ressentir même sur les pays qui en font perdurer la souffrance des Palestiniens, en l'occurrence les pays ralliés aux États-Unis et leur enfant gâté, l'entité sioniste. La barre des 20 000 martyrs a été dépassée. Des crimes de guerre sont perpétrés au quotidien par impuissance ou par complicité. Le monde feint de ne rien voir. Aujourd'hui, l'ONU réclame à l'entité sioniste l'ouverture d'une enquête sur un éventuel crime de guerre dans la mort de 11 Palestiniens non armés. Merci à l'ONU de réclamer le rétablissement des faits. Mais la formulation est un peu tordue, passez-nous l'expression, car cela sous-entend que les 20 000 Palestiniens tombés en martyr ces derniers mois étaient armés et que ces 11 Palestiniens seulement font l'exception, alors que c'est toute la population de la bande qui est désarmée. Et bien sûr, on demande au bourreau de faire une enquête sur ses propres crimes. 76e jour de bombardement sur Gaza et les répercussions économiques commencent à se chiffrer, notamment en mer Rouge, où les Houthis yéménites ont infligé des pertes considérables aux navires occidentaux. Mais là, bien sûr, la réaction des États-Unis a été immédiate, contrairement à celle d'un cessez-le-feu qu'on essaye d'arracher pour les enfants de Gaza. Mesdames et messieurs, bienvenue, le débat est lancé. Alors, pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Tawfiq Hamel, chercheur en histoire militaire et d'études de défense à l'université Paul Valéry, avec nous donc en direct de Paris par Skype. Monsieur Tawfiq Hamel, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Jacques Cheminade, président de Solidarité et Progrès. Il est également candidat à la présidentielle française de 2017. Monsieur Jacques Cheminade, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Bonsoir et merci à vous. Et bonsoir à toutes et à tous. Alors pour commencer, Monsieur Cheminade, on le fait avec vous. 76e jour de bombardement et l'on ne voit aucune prémisse de cesser le feu pointé du nez, même si on parle en ce moment de plus en plus d'une trêve et d'un éventuel échange de prisonniers, cela reste très improbable et tout est mis au conditionnel. Alors la question, qu'est-ce qui arrêtera cette agression sauvage sur Gaza, Monsieur Cheminade ? C'est un génocide, il faut utiliser le mot. Le Hamas, le 7 octobre, a commis un crime de guerre qui n'était nécessaire ou pas. Je pense que c'est une insurrection qui était nécessaire. Mais ici, c'est un génocide. Comment l'arrêter? Les Américains pourraient l'arrêter tout de suite en disant on ne livre plus de ressources financières, on ne livre plus d'armes à Israël. Ça pourrait être arrêté de cette façon. Ça ne se sera pas compte tenu de ce qu'est le gouvernement américain. Condoleezza Rice, d'une part, dans le passé, et aussi... les différents gouvernements américains ont soutenu le Likoud, ont soutenu Netanyahou. Il faudrait dire Netanyahou doit partir pour toujours. C'est fini. Netanyahou est non seulement un criminel de guerre, mais un acteur dans un génocide. Donc, que faire? Je crois qu'il faut assister, faire une campagne internationale pour libérer Marwan Barghouti et dire que le front qui s'est constitué dans la prison autour de lui, avec tous les mouvements de libération palestinien, doit être vu comme le futur qui rend justice au peuple palestinien. Et si un gouvernement occidental osait le dire, et j'aurais espéré que le gouvernement français le fasse, mais il ne le fera pas, eh bien, nous devons le dire, faire une campagne de masse partout dans les pays occidentaux pour que un futur État palestinien soit créé. Alors on dit deux États, très bien, mais il faut créer les conditions concrètes dans lesquelles ces deux États puissent être créés, dans lesquelles l'État palestinien puisse être créé, pardon. Et cet État palestinien ne peut être créé que s'il y a un certain nombre d'avancées politiques et surtout un développement économique mutuel qui était prévu dans les accords d'Oslo, dans l'annexe 3 et l'annexe 4, qui ne le sont pas aujourd'hui, et pour lequel nous-mêmes nous sommes battus autour de l'économiste américain Lyndon LaRouche pour qu'il y ait un plan oasis de développement de tout le sud-ouest asiatique et en particulier de la Palestine. Très bien, Monsieur Cheminade. Tawfiq Hamel, alors 76e jour, encore des morts, et puis il arrive un moment que 11 civils palestiniens, comme si les autres n'étaient pas des civils, bon, on passe, parce qu'il ne faut pas trop non plus faire de remarques, ce n'est pas le but,
11 civils ont été tués de sang-froid et l'ONU demande à ce qu'il y ait une commission d'enquête justement sur ce crime de guerre contre des civils, la précision est de taille, non armée. Bon, on va dire merci pour l'ONU parce qu'elle demande une enquête. Elle exige aussi de l'entité sioniste. Sauf qu'il y a 20 000 morts, martyrs palestiniens, qui sont tous des civils. Ils sont tous non armés. Oui, effectivement. Alors, globalement, en tout cas, c'est interdit par le droit international. Ensuite, il y a les civils, mais pas seulement les civils. En fait, Même un combattant, une fois qu'elle a déposé ses armes, le droit international le protège. Le problème qui se pose, on se retrouve dans la situation dans le cas de Gaza. Premièrement, c'est une guerre coloniale. On parle d'une guerre coloniale. Limiter les pertes civiles, la seule façon d'éviter les pertes civiles, c'est justement d'éviter d'utiliser la puissance aérienne. Ça veut dire qu'il faut engager des forces terrestres. Sauf que le problème d'Israël, Israël a toujours fait peser le risque sur les civils palestiniens, tout en essayant de protéger les militaires israéliens. Alors, pour l'instant, en tout cas, ce qui est intéressant, ce qui arrive actuellement, c'est la cause palestinienne qui commence à avoir une dimension complètement différente. Le soutien dans les pays occidentaux commence à avoir de plus en plus de l'importance. En plus, l'autre aspect qui est important, c'est que jusqu'à maintenant, Israël n'a pas encore réalisé ses objectifs de la guerre. Les lancements des missiles sont toujours d'actualité. La libération des otages n'a pas encore été faite. Et les dernières déclarations de Hamas étaient claires, c'est qu'il n'y aura pas de libération des otages sans l'arrêt, en tout cas sans un cessez-le-feu total. Globalement, pour l'instant, il me semble qu'Israël a atteint ce qu'on appelle dans le langage de guerre le seuil de la guerre. C'est-à-dire que globalement, quoi que fasse Israël actuellement, tous ces objectifs ne peuvent pas vraiment être atteints. Ensuite, il y aura évidemment l'après-guerre, ça va être une situation très très difficile pour Israël. Ça va être la situation d'Israël après la guerre, quelle que soit l'issue, ça va être une situation catastrophique et explosive sur le plan économique, sur le plan institutionnel et sur le plan politique. Très bien, Tofiq Hamel, l'idée, et c'est justement ça, les objectifs d'Israël, donc Jacques Cheminade. On entend cette phrase donc qui devient très récurrente sur tous les plateaux de télévision, l'objectif d'Israël n'ont pas encore été atteint, les objectifs d'Israël n'ont pas été atteints. Alors, quels sont les objectifs d'Israël? D'autant plus qu'ils sont en train de bombarder une petite ville, il faut bien qu'on l'explique, ce n'est pas un pays, c'est une petite ville, et tous les civils sont en train d'être tués. C'est quoi cet objectif? On dit que c'est pour arrêter ou pour tuer les gens de Hamas, alors que les gens du Hamas sont confondus dans la masse. Ce sont des Palestiniens, ce sont des gens qui vivent tous les jours, peut-être sous les tunnels. Mais est-ce qu'il faut bombarder toute une ville pour finalement ne rien avoir en contrepartie? Vous savez, Netanyahou, Smotrich et Ben-Gvir sont des suprémacistes, des racistes qui veulent chasser les Palestiniens de ce qu'ils appellent toute la Judée et la Samarie. Donc, ils veulent chasser les Palestiniens. Et ils ont dit aux habitants de Gaza d'aller dans le sud, qu'ils ne seraient pas bombardés. Ils les ont bombardés dans le sud. Donc, c'est pour ça qu'il y a un véritable génocide en cours. Et je pense qu'on peut comparer les méthodes du gouvernement israélien aux méthodes nazies. Alors, dans ce contexte, évidemment, qu'est-ce qui peut être fait? Et je crois qu'il faut voir la solution de portée beaucoup plus vaste, à la fois comprenant ce qui est fait pour envoyer à la mort les Ukrainiens, les envoyer au casse-pipe, hein, et aussi ce qui est fait contre le peuple palestinien, et pour rendre cette justice au peuple palestinien, qui depuis, je dirais, 1840, pratiquement, depuis le moment où les puissances occidentales ont voulu créer la division pour régner dans le proche Moyen-Orient, depuis 1840, le peuple palestinien, par tous les moyens, est humilié, poursuivi, en particulier depuis l'accord Sykes-Picot, bien entendu, la déclaration Balfour. Donc il faut changer complètement la règle du jeu. Et c'est pour ça qu'il faut se battre pour la paix. Nous avons formé une coalition internationale pour la paix avec des amis de différents pays du monde, qui a tenu récemment une conférence au Nicaragua, pour qu'on développe un mouvement qui soit un mouvement d'opinion, un mouvement de masse dans l'ensemble des pays occidentaux contre ce qu'ont fait le gouvernement historiquement.
Oui, ben justement, Monsieur Jacques Cheminade, alors en ce moment, on parle de plus en plus de certains efforts déployés dans les coulisses pour tenter de décrocher un cessez-le-feu ou une trêve humanitaire à défaut d'un cessez-le-feu. Alors les conditions ne sont pas les mêmes pour le Hamas que pour l'entité sioniste, mais il semblerait que quand même il y ait un certain début d'évacuation dans la ville de Gaza et à commencer par la ville de Khan Younes qui connaît une forte densité justement. D'ailleurs, elle qui comptait 110 millions, donc plutôt 1000 habitants, est passée à 140 selon donc l'ONU, c'est-à-dire avec les déplacements. Ces évacuations sont dans un premier temps un petit peu une petite lueur d'espoir de voir peut-être pouvoir arriver à une certaine trêve humanitaire, ne serait-ce que courte durée, c'est pas ce qu'on espère en tous les cas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque réellement? Pourquoi l'entité sioniste ne veut pas justement aller vers ce cessez-le-feu? C'est la question que vous posez? Oui, monsieur Cheminade, oui. Oui, parce qu'elle veut en finir avec le peuple palestinien et elle veut établir sa domination sur son territoire. Alors, évidemment, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que le Hamas, par son intervention, a ramené sur l'échiquier international la question palestinienne que Trump et les accords d'Abraham essayaient d'éliminer. Donc les Israéliens ont réagi parce que leur jeu, qui était favorisé par l'administration Trump, puis par l'administration Biden qui a pris la suite, Blinken participe, qui est le ministre des Affaires étrangères, le département d'État américain, participe aux discussions du gouvernement israélien, du comité de guerre israélien. Donc on a une complicité absolue. Donc il faut faire quelque chose, et la priorité c'est de faire quelque chose à l'intérieur de nos pays occidentaux. Si il peut y avoir tel ou tel cessez-le-feu formel ou tel accord provisoire, c'est bien, on évite les morts. Mais il faut aller beaucoup plus loin, il faut aller à la cause. Et la cause, c'est ce que je dis, c'est cette oligarchie financière, militaro-financière occidentale qui fomente le débat et qui l'alimente constamment. Donc il faut sortir de cela et aller bien au-delà en portant, à partir de l'intervention qui a été faite par le Hamas, en portant le jeu beaucoup plus au fond des choses, aux causes réelles des choses. Et je pense que ce point de vue, la libération de Marwan Barghouti permettrait, avec une unification des Palestiniens, d'aller vers... Et il ne faut pas opposer le Hamas à Barghouti, oui. Absolument pas. Il faut dire qu'il faut cette unification des forces palestiniennes pour parvenir à la paix. Je dois dire que dans sa déclaration ou dans sa correction de sa charte, le Hamas, en 2017, a bien décidé qu'il pouvait... accepter l'existence dans les frontières de 1967 d'un État israélien à condition qu'il y ait un retour, un droit du retour de tous les humiliés et les offensés et les opprimés de la Nakba. Oui. Donc il faut ce retour, ce droit au retour. Justement, ce droit de retour, on n'en parle plus, surtout le retour de 48. Alors, il y a des conditions qui ont été émises pour que le retour ne soit pas total, mais partiel. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe à Gaza, au 60e jour de bombardement, beaucoup d'idées n'ont plus leur sont désuètes, parce qu'on sait très bien que, par exemple, l'État, justement, un pays à deux États, c'est la possibilité, elle est quelque part dépassée. C'est-à-dire que finalement, c'est bombardement, on franchit ou on mis la ligne de non-retour. Plus rien ne sera comme avant, Taoufiq Hamel. Que pensez-vous? Oui, effectivement. Sur la question du droit de retour, en 1948, il y avait presque 700 000 Palestiniens, en tout cas ce qu'on appelle Nakba, 67 000 Palestiniens qui sont réfugiés un peu partout dans les pays voisins. Et à partir de là, tous les gouvernements israéliens, leur politique, justement, c'est de nier tout droit de retour. Ni compensation, ni droit de retour, ça a toujours été la politique des Israéliens. Alors, en fait, on peut même pas se poser la question du droit de retour à partir du moment où l'objectif principal cherché par Israël actuellement, c'est justement le déplacement de la population de Gaza vers Israël, vers les pays voisins. Souvent, on évoque l'Égypte. Déjà,
Actuellement, l'objectif d'Israël, c'est justement c'est de déplacer les Gazaouis vers d'autres pays. À partir de là, la question du droit de retour n'a aucun sens actuellement. On peut, c'était un autre exemple. Souvent, on met l'accent sur la charte de Hamas. La charte de Hamas, selon laquelle ne reconnaît pas l'État d'Israël. Ça a été modifié, Mal... monsieur Taoufiq Amala. Oui, non, Ça a été justement, revu un petit peu, oui. c'est ce que je voulais dire. D'une part, ensuite, par la suite, ça a été modifié et a accepté une trêve à l'avance. Sauf que Hamas a été créé en 1987. Mais quand on regarde la charte du parti Likoud qui a été créée en 1977, qui disait clairement qu'elle était contre l'instauration d'un État palestinien. En fait, dans la charte du parti Likoud, nié complètement le droit aux Palestiniens d'avoir un État. Et Oui. ça c'était bien avant la création de Hamas, c'était en 1987, alors que le parti Likoud, en 1977, était contre la création d'un État Voilà, on ne palestinien. pourra pas dire que c'est les Hamas qui sont les extrémistes qui sont dans la négation de l'autre. Ça, au moins, on ne pourra pas le dire. Ça, c'était bien avant. Bien Oui, avant, c'est voilà, avant l'objectif Hamas, voilà. du parti l'écoute. Ensuite, quand on revient à d'autres. Le problème qui se pose, quand on regarde à travers l'histoire, à chaque fois qu'Israël a fait un pas en arrière, c'était suite à des pertes très, très importantes. Oui. Quand on regarde dans le cas de l'Égypte, il a fallu la guerre de 1973 pour que Israël accepte un cessez-le-feu ou ait des concessions face à l'Égypte. Quand on regarde dans le cas du Liban, après l'intervention d'Israël au Liban, elle a fallu tout le combat, toutes les pertes qui ont été causées par le Hezbollah pour que Israël finalement se retire d'une partie du Liban. Quand on regarde en 2005, lorsque Sharon s'est retiré de la bande de Gaza, c'était suite justement à la deuxième intifada. En fait, globalement, généralement, lorsque Israël fait des efforts, des concessions, c'est souvent suite à des pertes très, très importantes. Sans cela, Israël va maintenir toujours cette politique d'apartheid, cette politique pendant plus de 2 semaines. Oui. Pour l'instant, Israël maintient cette guerre parce qu'il y a le soutien des Américains qui est derrière. Voilà. C'est-à-dire que sans le soutien des pays occidentaux, des États-Unis en particulier, peut-être que cette guerre n'aurait pas duré aussi longtemps. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi s'enorgueillir quand je vois et que lorsqu'on voit également sur les réseaux sociaux des soldats être fiers de brandir leurs trophées de guerre, qui sont donc les corps des Palestiniens. Monsieur Jacques Cheminot, il y a un point très important. Alors, avant de parler justement des répercussions économiques avec Monsieur Taoufiq Hamel, que je voudrais donc parler avec vous sur l'après-Gaza, c'est-à-dire l'après-bombardement. Est-ce qu'on envisage, est-ce qu'on a une imagination de ce que sera demain, une fois que ces bombardements s'arrêteront, si ça s'arrête? Je crois qu'aujourd'hui, si Netanyahou n'est pas chassé du pouvoir et si la politique américaine continue comme elle est, on est face à une situation catastrophique, terrible. Donc il faut changer les bases mêmes sur lesquelles la situation internationale se développe aujourd'hui. Et ce qui veut dire qu'après Gaza, il faut reconnaître un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale et avec les frontières de 1967. Oui. Et il faut organiser cela avec un développement économique que prévoyaient les annexes 3 et 4 des accords d'Oslo qui n'ont jamais été appliqués comme tout le reste. Donc aujourd'hui, il y a une chose que je veux souligner, c'est qu'en 2017, la charte annexe du Hamas disait bien un État limité aux frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, et stipulait le droit de retour des réfugiés. Ce qui voulait dire que le reste était reconnu, qu'Israël était pratiquement reconnu. Et même Sinaoui avait dit lui-même, d'ailleurs, nous savons, dit-il, et je le lis, qu'Israël possède 200 têtes nucléaires et la meilleure armée de l'air de la région, nous n'avons pas la capacité de détruire Israël. Donc on ne veut pas détruire Israël, mais il faut qu'on bâtisse un État palestinien qui puisse tenir, donc qui puisse avoir les ressources pour se développer, la terre pour se développer et un territoire pour se développer. Donc il faut au moins un lien entre Gaza et la Cisjordanie. Probablement, moi, je penserais qu'il faudrait un lien même territorial unifié pour que l'État palestinien puisse tenir et un développement économique, celui que prévoyaient les accords,
d'Oslo. Donc, dans tous les domaines, hein, il prévoyait la coopération dans le domaine de l'eau, de l'électricité. Vous y croyez encore, Monsieur Chelinade, les transports et communications, etc. Vous croyez encore, Monsieur Chelinade, aux accords d'Oslo? Vous y croyez encore? Vous croyez qu'ils sont toujours valables? Les accords d'Oslo? Est-ce que vous croyez que les accords d'Oslo sont toujours valables avec tout ce qui vient de se passer aujourd'hui à Gaza, Monsieur Chelinade? Ils doivent être revitalisés. Les accords d'Oslo n'ont jamais été appliqués après l'assassinat d'Itzhak Rabin, bien entendu. Et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a eu des assassins en Israël et que le régime actuel est un régime d'assassins. Donc, à partir de là, si on assure la sécurité à Israël en disant « un État palestinien, c'est la meilleure façon à terme d'assurer votre sécurité », sans ça, vous êtes suicidaire. Vous êtes rentré dans une sorte de nihilisme propre à tous les États de type fasciste. Donc, il faut sortir de là. Et je crois qu'en Israël, il y a peut-être des voix qui progressivement répondront à cela, à condition qu'il y ait un projet d'avenir. Et c'est là que la Chine, la Russie, peuvent avoir un rôle fondamental. Parce que je constate qu'au sein des BRICS sont entrés les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte et l'Iran. Et là, on peut avoir une unité qui pèse dans le jeu international et qui pèse vis-à-vis notamment des pays occidentaux. Oui, très bien, M. Chelinade. Alors, juste avant de conclure, parce que le temps qui nous est imparti, donc ça file très vite. M. Tofiq Hamel, vous avez parlé, effectivement, vous avez consacré dernièrement tout un article sur les tensions provoquées justement par les attaques des Houthis au Yémen, en mer Rouge, sur le Figaro. Alors, en quelques secondes, comment peut-on calculer ces répercussions sur un plan plus palpable dans la situation économique actuelle? D'autant plus que ces navires, généralement, transportaient aussi des marchandises pour l'entité sioniste, il faut le dire. Oui, effectivement, l'une des conséquences, déjà le port d'Elat, déjà presque est quasiment fermé. Au-delà de ça, vous avez le port de Haïfa, c'est du côté de la Méditerranée, même dans son cas. Il y a une baisse d'activité très, très importante. Alors, sur le plan économique de l'économie mondiale, vous avez déjà jusqu'à maintenant au moins une centaine de navires qui ont commencé justement à éviter la mer Rouge et faire le tour de l'Afrique, ce qui signifie pour les navires qui vont vers l'Europe, cela signifie entre 10 et 18 jours de navigation supplémentaire. Cela pourrait perturber certaines chaînes d'approvisionnement mondial. Il y a certaines entreprises déjà qui ont déclaré qu'elles attendaient des produits, mais elles ne les ont pas encore reçus et doivent attendre. Sur le fond, vous avez la mer Rouge, vous avez presque 50 millions de tonnes de produits agricoles qui passent par cette mer, vous avez du pétrole. Tout ça va avoir nécessairement des conséquences sur le transport et évidemment ça va être sur les produits finaux. Mais au-delà de ça, la réaction américaine, la coalition américaine ne peut rien faire en tout cas pour assurer les marchés. Merci beaucoup, Monsieur Tofiq Hamel. Je sais que je ne vous ai pas laissé, bien sûr, vous étaler sur votre idée, mais je vous promets qu'on fera une autre émission spécialement pour justement évaluer cette situation de perte et de répercussions économiques sur la région. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur en histoire militaire et études de défense à l'Université Paul Valéry, que vous étiez avec nous donc par Skype depuis Paris. Était également avec nous Jacques Chelinade, président du Parti Solidarité et Progrès. Vous avez été également candidat à la présidentielle de 2017. Merci d'être avec nous. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Au revoir.